Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière Dirt 4. On continue l'aventure avec notre Opel Ascona 400. Après avoir subi les routes et la pluie en Australie, nous revenons en Europe dans la zone ibérique avec Bosque Bonastre, avec une ascension, Ascenso, c'est comme ça que ça s'appelle, de 7 km 230. Deux courses sur du tarmac avec 250 mètres de dénivelé. C'est un petit peu la période aussi du Tour de France avec les montées, les descentes et les grimpettes. Et bien là, je pense qu'on va être servi. 10h10, le grand soleil au programme. C'est parti, on découvre ensemble donc la voiture et surtout la piste donc dans la région de Tarragone, toujours en Espagne. Il y a du clipping d'arbres, c'est formidable. Voici donc comment les sponsors trouvent notre comportement. On va de nouveau pouvoir gagner environ 20 000 crédits et on va partir sous le soleil de l'Espagne. Voici donc les nouvelles couleurs de notre Opel qui a été donc remise un petit peu au goût du sud, des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus jolies. Je regrette tout de même que dans ce Dirt 4 on ne puisse pas changer les couleurs des jantes. Ça aurait pu être aussi quelque chose de sympathique. Allez, on ne perd pas une seconde de plus, on démarre tout de suite avec la première spéciale. Allez, on est parti. Toujours avec notre boîte en H et déjà une frayeur après 100 mètres, c'est quand même ouf. Ah oui, le comportement est différent. J'enchaîne évidemment, vous vous doutez bien que je tourne les deux rallyes du championnat les uns après les autres. Et après avoir tourné pendant une petite heure sur des routes très glissantes, retrouver un comportement sur l'asphalte avec ce genre de voiture est toujours compliqué. Pour l'instant, j'aime bien le comportement de la voiture. Il correspond à peu près aux enchaînements de la route, mais c'est un peu en décalage. On sent que c'est pas des surfaces et des routes faites pour les voitures de l'époque. Je peux pas très bien les exploiter. Je parle des routes évidemment, pas exploiter la voiture, ça on y arrive. Allez, on a quitté le petit village qu'on a l'habitude de visiter maintenant. On va bientôt pouvoir devenir guide touristique à force de venir en Espagne. Alors, j'ai entendu dans les commentaires des précédents épisodes que certains, en tout cas les épisodes consacrés aux sections rallye historiques et modernes, certains regrettaient l'absence de spécial ou de rallye, en tout cas dans la neige. Et bien, vous n'êtes pas les seuls, moi aussi. Je trouve ça dommage que Codemasters ait insisté sur deux terrains pour le début de cette carrière, mais elle est beaucoup plus longue. Alors évidemment, ça aurait été bien de les varier, de ne pas faire par vagues, par exemple l'Espagne, les États-Unis et l'Australie, et ensuite partir plus vers la Suède et le Pays de Galles, je ne sais pas. En tout cas, la répartition des spéciales n'est pas top dans le jeu. Et sachez que si ça vous peine, moi aussi, mais bon, comme on a dit qu'on allait se taper toute la carrière, on finira bien par retrouver un petit peu de neige, même si je suis conscient que vu les températures actuelles, ça n'aurait pas été de trop d'avoir un petit peu de soleil. Mais surtout, un petit peu de frais, vu que dans certains coins, il fait assez chaud. Allez, on continue dans cette longue spéciale qui s'enchaîne pour l'instant pas trop mal. La dernière fois qu'on était venu dans de telles conditions, c'était avec la Seat Ibiza Kit Car. Et là, je suis de nouveau à une main pour faire glisser la voiture. Et c'est pas simple, à ce stade-ci de la spéciale. Hop, attention, deux roues sur le bas-côté. On avait de la chance que ça allait tout droit. Allez, regardez. Les virages en deux doivent être pris quasiment en première. Enfin, les noter de niveau 2 doivent être quasiment pris en première. Pas de bordure pour l'instant. Ce qui sera, je pense, un peu moins grave avec ces roues-ci qu'avec celle de la Seat Kit Car où c'était un peu plus fin. On avait moins de flanc de pneus.
pour l'instant s'installe bien, on est 6 secondes devant nos poursuivants, avec Alvarez toujours le pilote le plus véloce. Milan opens into right 6, right 4, and open hairpin left, and right 1 long. Ok, alors je voulais pas mettre en première, je voulais passer en 3. Into left 6. Left 6. Hop là, super. Right 3. Je pensais avoir assez de relance en deuxième. Simplement non. Left 6 over crest. And right 4, 80. And open hairpin left. Into left 4 over crest. And hairpin right. And left 3 over crest. Ah, c'est vraiment, right vraiment six. Kiffant. Left six, six, les dérobates de la voiture. Right tout à fait bien dosé. Left 6 over bump, 60. Right 3. Right 6. Left 6. Left 3. And right 3 long opens, tightens. And left 1. Allez, c'est serré. Gauche 1. To finish. La réaccélération est l'arrivée. Slow to the marshal, please. Il y a une première étape où on a pris 27 secondes sur Alvarez. Non, il y a vraiment un problème dans ce jeu, je suis désolé. Hein. Mais plus j'augmente le niveau de difficulté, plus il y a d'écart, j'y peux rien. Je suis désolé, j'aimerais bien vous montrer de la bagarre, mais ça tient. Et finalement, au final, on prend 27 ou 30 secondes d'avance. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais je n'y peux pas grand-chose, malheureusement. Et la course d'endurance continue. Après avoir monté tout cela, eh bien, on va le redescendre avec de nouveau 219 mètres de dénivelé. On risque d'avoir donc pas mal d'enchaînements et de virages en aveugle. 6 km 600 en programme, ce qui nous annonce encore des routes bien longues à parcourir dans cette deuxième spéciale. Ici, il est midi 15, il fait partiellement nuageux à Vinedo Bitem à la descente, ici toujours à Tarragone en Espagne. 5, 4, 3, 2, 1, go. Right 1. Et nous sommes libérés par les commissaires de course dans cette deuxième spéciale avec une information intéressante qui a été donnée par Nicky Gris, vous l'avez sans doute entendu. On risque d'observer des changements de conditions pendant la spéciale. Alors je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour tout vous dire. Déjà, on va mettre la première, ça ira mieux. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement. Peut-être à de l'huile, mais ça m'étonnerait. Ah, la relance qui est absolument catastrophique à l'épingle. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la voiture, dans ses couleurs, est très jolie. J'aime beaucoup le côté orangé que j'ai découvert pour la première fois avec le montage de la première spéciale. Le passage en vue extérieure de la voiture était très très sympa. Donc j'aime beaucoup ces couleurs assez chaudes, assez hispaniques ou catalanes, ça dépend. Mais on est dans le thème, hein, orange, rouge et jaune. Ah, je crois que j'ai compris. Ouais, je crois que j'ai compris ce qui nous attend. Hop. Eh bien voilà, quand on parlait de changement de conditions de piste, et c'était donc non pas d'adhérence, mais de visibilité dont on parlait. Bon, le 30 à l'heure, on va l'oublier hein, sur cette section. Si on veut faire le scratch. Into left 6. Right 3. And hairpin left. And right 6. Mm-hmm.
right. Into left two. Ah oui, là c'est plus, c'est quoi? C'est du sable, de la poussière, je sais pas honnêtement. J'opterais pour de la poussière à la limite. Sable, ça me paraît un peu compliqué. On trouve un peu de clarté. Elle était là. Vous l'avez vu comme moi, cette petite bordure qui nous attendait à l'intérieur, prête à être avalée. Il a nous crevé un pneu. On l'a évité. Left 640. Into left three long opens. Into right six. Très très bien ces enchaînements. And right four. Left six over crest. And right four. 16. On reste en trois. And keep right over crest, left three. Ça va vite, hein. 60. Right four. Over finish to stop. Okay, take it up to the marshal. Eh bien, une spéciale très très chaude, mais très sympa. That went really well. Great stage, good work. Et si à mi-parcours, on jette un coup d'œil... Et si à mi-parcours on jette un coup d'œil au classement, on a donc désormais une minute d'avance sur l'Argentin Alvarez qui est donc deuxième avec sa Super 5 Turbo, enfin sa Renault 5 Turbo, pardon, c'est pas une Super 5. Et ensuite Gosens le Belge avec la BMW troisième. Voilà donc le trio de tête pour le moment dans ce rallye d'Espagne ici à Tarragone. Et c'est sans doute l'une des plus longues étapes depuis le début de cette carrière. 8 km 360 avec 115 mètres de dénivelé, tout ça sur l'asphalte. La troisième spéciale de ce rallye d'Espagne semble être l'une des plus difficiles. On va voir un petit peu comment ça se passe. On ne passe pas par le village, c'est déjà un point. Mais ça monte, ça descend, ça a l'air vallonné. Et j'espère qu'il n'y aura pas de trop mauvaises conditions étant donné que l'on part sous les nuages. C'est parti. Should be able to enter some higher profile events if we carry a good reputation. Right one through dip. And left four. Allez, les premiers enchaînements de cette longue, très longue spéciale qui va s'annoncer piégeuse. Alors évidemment avec la boîte OH, on va encore évoluer à une main sur le volant, donc ça risque de nous mettre parfois en difficulté. Je l'espère pas trop, notamment ici, voilà, dans les transferts de charge. Là je suis sur le volant à quasiment une main et le poignet gauche souffre un petit peu. Left 6 over bump, right 6, and left 4 bump, and right 3, into left 5. Over crest. Left 6 over crest, and right 4. Oh, le panneau est pas passé loin. Okay.
pourrait le payer cher, hein, tout ça. Left 6. And break 4 through dip. 150. Left 4. And right 6 over crest. Left 6. Into right 4 long. Tightens. Into caution. C'est très très tendu. Ah, c'est... C'est le roller coaster ibérique. Right 2. Into open hairpin left. Ça monte, ça descend, 60. Ça va à gauche, ça va à droite. On a vraiment right toutes 6, les forces G 150. Nécessaires pour avoir des sensations. Et avec une voiture comme celle-ci, ça s'y prête parfaitement. Right 5, hop, attention 5, et voilà, première alerte. Right c'est pas cher payé, c'est vraiment pas cher payé. Right on aurait pu 4, se faire piéger beaucoup 16, plus fort que ça. Right 6. And left 4, right 3, into left 5, B, right 6, ça passe bien, ça passe bien, left 6, and hairpin right. Right 6, 80. Right 6. And left 4, bump. And right 3. Into left 5. Right 4. And left 5 long, tightens 3. Into right 4. Allez, l'enchaînement se fait de manière logique. On retrouve également un peu de soleil qui avait disparu depuis 2-3 secteurs. Ah, le left one. And left 4, 150. Left 4. Allez, les deux derniers secteurs. On est à 4 minutes de spécial. Right 5, into. Relance compliquée, hein. Relance compliquée comme d'habitude à l'épingle. Et comme si c'était pas assez compliqué, je pense que ça va un peu se resserrer en fin de spécial parce que là on est dans des secteurs avec beaucoup plus de spectateurs. Into left 6, right 3, and hairpin left. De piège ! Ah là là, dommage. Je pense pas qu'on ait endommagé trop la suspension. Hop, le rocks outside qui aurait pu venir un peu plus tôt, Nicky. Hein. On a failli être piégé par le pierre extérieur. Six. Right three. Left six. And right four through. And left one through dip. C'est vrai que ça se resserre fort. Et l'arrivée. Okay, take it up to the marshal. Et bien que cela était compliqué, mais on a fait un beau secteur, je pense. That's unbeatable. Ouais, le meilleur temps, évidemment. Et comme récompense, le meilleur chrono. Quand je vous disais que ce rallye était vraiment les montagnes russes, regardez le tracé de cette quatrième spéciale. Alors certes, on va repartir avec une voiture qui aurait été rénovée par le service d'assistance, mais 5 km, 279 mètres de dénivelé, ça nous promet une descente vertigineuse avec 4 partiels au programme. On va voir sous les nuages à 16h45 ce que va donner cette avant-dernière étape de ce rallye d'Espagne, ici à Viñedo Los Pobles. We have one or two sections in here after the recce, so just take care.
Oh, attention les papillons, c'est parti. Et comme en témoignent les traces de gomme au sol, ça a attaqué directement, donc on va faire pareil. On va essayer de ne pas perdre trop de temps dans cette descente infernale. Les frayeurs sont nombreuses. Voilà. Il y a toujours un moment chaud hein, dans une des spéciales où on fait un peu. On passe pas loin de la correctionnelle. Alors, on se rend pas forcément compte peut-être en vidéo, mais au niveau du force feedback, en deuxième, les transferts de charge sont assez violents et il n'est pas rare de se prendre un coup de raquette. Donc, je dois être très vigilant à éviter voilà, ce genre de dérive. Dont on n'a plus trop à se soucier en troisième, mais on n'est pour l'instant pas dans des secteurs assez rapides pour évoluer en troisième constamment. On va devoir souvent passer en deux, je pense, pour avoir la relance. Ah, et on a tapé une pierre. Alors on va essayer de se remettre dans le sens de la marche. Allez, grosse sortie. Alors est-ce que la voiture est pilotable? À mon avis, on n'a pas crevé. Quoique, on a peut-être crevé à l'arrière droit, faut voir. J'écoute un peu ce que dit Nicky Grist. Au niveau du comportement, c'est un peu différent, mais c'est peut-être aussi moi qui ai un peu plus peur que juste avant le coup de pierre. Bon, ça va, ça a l'air d'aller. C'est les sensations de la voiture. Ouais, j'ai un sous-virage quand même. J'ai un petit sous-virage du côté gauche, donc ça s'annonce chaud pour les deux dernières étapes. J'espère que la cinquième sera pas trop longue. Alors ici attention, on ne marque pas le stop. Oh là là. Et on a perdu du temps évidemment dans le deuxième parcelle avec la sortie. Ça sera à moins. Allez, toujours vers le... Eh ben écoutez, j'ai préféré faire ça plutôt que de me prendre directement... Le terre-plein de béton, perdre donc uniquement du temps plutôt que de mettre à mal la carrosserie de cette Opel qui jusque-là a bien tenu, elle est bien résistante mais elle souffre un peu hein, dans cette spéciale-ci qui n'est pas très longue. On avait peur des 8 km, finalement les 5 ici s'avèrent un peu plus cassants et hop, la voiture un peu plus vicieuse. Vous voyez les coups que je me prends là, vous le verrez sans doute un peu mieux avec la vue extérieure parfois, mais le comportement de la voiture est très très violent. Et donc on passe pas loin de la correctionnelle à chaque fois. Oh là là, j'ai un poignet gauche dans un état assez chaud là. Allez, c'est pas mal. Gauche 1. Vous entendez peut-être à ma voix que ah, c'est du sport. Et voilà, on en a fini. Il restera une spéciale. Et on ne gagne que 5 secondes avec nos deux grosses sorties de piste. Compliqué, compliqué, compliqué. Et pour terminer cette étape hispanique dans le championnat, la deuxième donc, c'est 5 km quasiment exacts qui nous attendent avec 30 mètres de dénivelé. On va enfin voir la route défilée devant nous, en tout cas je l'espère un peu plus que lors de l'étape précédente qui aurait été assez flippante avec deux grosses sorties et deux pertes de temps importantes. On repasse par le village juste avant l'arrivée, on sait donc quand on arrivera dans le petit village qu'on sera quasiment au bout de ce rallye. On l'a quasiment gagné, il faut juste maintenant ramener la voiture au bout et il nous restera donc 5 partiels à compléter dans cette dernière spéciale. Ok, good luck in this stage. The pace notes will be coming through nice and clear for you. 5, 4, 3, 2, 1, go. Right 5, left 5. Il est 19h en Espagne, le soleil a décidé de se coucher un peu plus tôt que prévu, nous laissant les 5 derniers kilomètres de ce rallye sous les nuages et sous les arbres aussi. On va essayer de faire ça convenablement sans se faire piéger. Allez, en première, toujours du mal à la relance hein, cette voiture, en tout cas au niveau de la boîte. Allez, on la tient.
6. Alors, il y a des dérobades qui sont plus simples à tenir, les dérobades du côté gauche que du côté droit. Parce qu'on a plus de force dans le poignet dans un sens que dans l'autre. Hop ! La preuve, quand je disais que c'est plus simple quand ça vient à gauche qu'à droite. Encore une épingle. Je sens que là, je vais finir par broyer mon muscle, en tout cas ce qu'il en reste du côté de la main gauche. Allez, ça se passe bien. Bientôt la délivrance avec la victoire. Attention, hop, on va toucher le flanc de montagne. Oh, décidément beaucoup d'erreurs dans cette fin de rallye. Sans doute la fatigue, je crois, qu'il me gagne un petit peu. C'est pas possible. La voiture qui est très très compliquée à piloter. En tout cas, j'ai plus de mal. C'est pas la voiture qui a changé, c'est moi qui ne suis plus tout à fait aussi acéré qu'en début d'épreuve. Et elle freine plus non plus. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on m'a saboté les freins dans la liaison? Parce que là, voiture très compliquée. Ouais, on tombe P2. Et on n'a pas fait de faute. C'est juste au rythme là qu'on n'est pas bon. Une seconde de retard. Ouh, mais non mais c'est pas possible. Ah, le comportement de la voiture, faut que je sois attentif parce que là. Regardez, pour un gauche 3 et un droite 3, je suis quasiment obligé de repasser en première. Parce que j'aurais cramé les gommes à force de glisser, je sais pas. J'ai peut-être usé les pneus hein, prématurément. C'est pas impossible. Je sais pas, honnêtement, ça me paraît un peu obscur. Changement de comportement. Alors est-ce que c'est la fraîcheur? Non, j'essaie de trouver une solution à moitié logique à ce qui se passe, mais je n'en trouve pas pour le moment. Allez, gauche 5. Allez, dès que je la lance, en fait, j'ai plus le même grip qu'au départ. Donc soit j'ai trop de drift, soit pas assez. Enfin, trop de dérapage contrôlé plutôt que du drift. C'est pas vraiment le cas. Left 5 and right 3 into left 5 and left 3. Allez, on arrive dans le village, signe qu'on est bientôt right 6 and turn au bout de la spéciale. Hop, et les pavés qui piègent un petit peu right 3 et qui glissent. Heureusement, on n'aura pas de constat à faire avec l'un des habitants. Au niveau d'espagnol n'étant pas terrible, c'est pas plus mal. Allez, l'arrivée, c'est fait. On a gagné. Voilà, la liaison qui est loin jusqu'au poste du commissaire. Mais voilà, eh bien, un rallye qui aura été très compliqué physiquement, mais très très plaisant à conduire. Et vous découvrez donc le classement de l'épreuve et les résultats de la spéciale. Du coup, et bien voilà, 3 minutes 24, on a quand même mis un joli tampon aux autres pilotes. La victoire donc dans cette deuxième manche, 25 points au classement. On a l'air d'être satisfait du côté des sponsors, ça ramène un petit peu d'argent, c'est plutôt cool. Alors là, c'est là que ça va faire mal. Voilà, la gestion et tout ça, et 127 000 crédits, c'est plutôt pas mal. Et on frôle presque le niveau 27. Le championnat est donc terminé maintenant et avec les 50 points, ça nous met donc la victoire au général. C'est plutôt sympa. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière d'Heurte 4. On se retrouvera donc très vite pour la suite avec, je l'espère, du groupe B en rallycross. On a enfin le budget nécessaire pour développer et acheter la voiture qu'il nous faut. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette série. Vous êtes encore quelques-uns à la suivre et ça me fait très plaisir de vous la proposer. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite. À la prochaine, salut !